née en fait presque dans une caravane d'une troupe qui s'appelle Footspan Traveling Theatre, qui ont fait des spectacles musique, danse, tout théâtre, sous chapiteau, avec des caravanes, camions, en école, dans un bus pour nous les enfants, on était 15, et qui voyageait de pays en pays, enfin, qui a fait le tour du monde. Et en fait, la musique, elle est tout ça, quoi. Elle est ce mélange de la route d'où je viens, en fait, de tous ces voyages, tous ces pays. Et ça fait la musique, en fait. Donc, c'est pour ça que quand les gens me demandent quel style, je pourrais dire, ouais, folk, rock, psycho, gypsy. Mais sinon, ouais, j'aime bien le nom road music. Road music, pour moi, c'est voilà, la musique de la route. Et c'est ça que ça raconte, les paroles et même l'esprit. Et puis depuis toute petite, j'ai été vachement influencée par des rencontres dans plein de pays où on s'échangeait des morceaux, où on jouait dans la rue, dans les fêtes. Et donc, voilà, il y a eu beaucoup de musique de monde aussi. Et aussi, ben, aussi de l'amour, hein, parce que hein, c'est quelque chose qu'on vit tous. Mais j'ai envie de, voilà, je pense que dans mes chansons, tout le monde peut se retrouver aussi dans la danse. C'est pas, ça peut parler pour tout le monde. I spread my wings, but I can't fly. I can't see. No matter how hard I try. Plus long. Moi, je veux bien faire des exercices pour les paroles là, avec le rythme. C'est un peu chaud. On peut trouver plein de choses là-dedans. Plein de couleurs, mais il y a un esprit quand même qui reste vachement trad, traditionnel, et en même temps avec un petit esprit quand même rock, quoi. Festive, péchu. C'est juste naturel, donc en fait j'improvise, je fais comme je sens, je suis comme ça, je suis joueuse, donc j'aime bien jouer, donc mais c'est pas des trucs, c'est improvisé, c'est un peu des trucs un peu folie de mon état dans le moment, avec les gens, et il y a des choses qui sortent sans que je contrôle quoi que ce soit, c'est comme ça, enfin, il y a tout cette background aussi qui est là. Je viens de là, quoi, du théâtre, de la danse, de la musique, et tout ça est mélangé dans ce que je fais aujourd'hui. Par exemple, quand on a joué en première partie d'Ayo, c'est une super occasion déjà de jouer dans des super conditions quand t'es un petit groupe qui n'est pas du tout connu et de pouvoir vivre ce que tu fais avec un grand public. Et quand ça marche, quand tu ressens les gens et que tu as les regards qui donnent tellement, ben
c'est génial, c'est hyper fort, ça te porte et tu es avec eux. Et... Leur plateau, ouais, ils sont là, ils sont prêts, et dès que vous me dites que c'est bon, je les lance. Enfin, c'est bon. Nico en premier ? Ouais, toi. C'est sûr ? C'est toi. Tu mets la raga. C'est pas gagner d'avance comme ça, quoi, t'arrives pas à... Donc c'est troublant, c'est enfin, un peu le track avant, mais c'est super hier soir. C'est vraiment une belle expérience. Break my heart. Burn out, crumble, one black, one free.